Une pita aussi petite? C'est pas de chance. Et moi, j'en ai une moyenne. Oh, wow! Oh! Oh, moi aussi, j'en veux une. Non, mais c'est le challenge. Alors, chacune mange la taille de nourriture qu'elle a reçue. Qui va commencer? Moi. Oh, oui, je n'aurais pas assez avec ce truc minuscule, mais c'est mieux que rien. C'est génial! Vraiment? Cool, je peux déjà essayer. Oh, une idée! Je vais utiliser un coup de pizza spécial et faire une spirale. C'est mieux! C'est tellement meilleur comme ça! Et la pizza ne s'épuise pas. C'est génial! Et pour moi, c'est une bonne façon de faire. Alors, je vais empiler toutes les parts les unes sur les autres. Oh, ça a l'air cool! Oh, quoi, c'est bon! Tu penses à la même chose que moi? Allons-y! Allez, Brittany, tu peux faire ça! Tu peux! Allez! Allez! Oh, avec un groupe de soutien comme celui-ci, je suis capable de tout! Oh, tu t'en sors très bien! Mais c'est plus difficile que je le pensais! Vas-y, n'abandonne pas! Oui, j'abandonne pas! Il n'en reste juste qu'un petit peu! Et... j'ai terminé! Félicitations! T'es la meilleure, Brittany! Merci, les filles! Je vous adore! Oh non, j'ai encore eu de la nourriture minuscule! Et ça va très bien pour moi! Oh, regardez comme ma barre de chocolat est grosse, Libby! Oui, la portion d'Emma, c'est quelque chose! Mais pour moi, ça va être très pratique à manger! Et en fait, je sais ce qu'il faut faire! Voilà! J'ai besoin de ma cuisine miniature! Je vais prendre une casserole, allumer le feu sur la cuisinière! Wow! Sarah, laisse-moi aussi regarder! Bien, voilà! Oh, c'est trop mignon! Maintenant, je vais faire fondre la barre de chocolat et accélérer le processus avec une spatule. Et je vais aussi ajouter du lait. Et faire un délicieux cacao. Oh, vous sentez déjà? Et alors? Maintenant, il est temps pour moi de goûter mon chef-d'œuvre miniature. Voilà! Oh, c'est bon! Mais c'est très peu! Oh, t'es tellement comme ça! Non, mais arrêtez de rigoler! Vas-y, mange ton chocolat! Avec plaisir! J'adore le chocolat, je suis hyper à en manger au petit déjeuner, au déjeuner ou au dîner! Oh oui, c'est un vrai plaisir! Quoi? Brittany, où sont tes manières? Désolée, je me suis emportée. C'est au tour de Sarah. Hé, hey, tu vas où? T'as déjà mangé ta barre de chocolat? Et ça, c'est à moi! Débarrasse-toi de l'emballage, c'est le moment de faire une maison en chocolat fantasy! Trouvons la taille à l'aide d'un mètre du ruban. Voilà, maintenant je peux utiliser la scie. Comme on dit, il faut mesurer 7 fois et couper une fois. Dans mon cas, il faut couper 7 fois. Le toit est prêt, les murs sont prêts. Oh, j'ai toujours rêvé d'une maison en chocolat! Waouh! C'est cool! Merci. Et enfin, quelque chose d'agréable, la dégustation! Wow, perfecto! Qu'est-ce qui se passe? Non, mais n'importe quoi! Oh, c'est ma maison! Des Oreos? C'est ce que j'adore! Oh, quelle portion qu'elle a, Sarah! Ouais, j'ai vraiment pas de chance! Oh, enfin, j'ai eu de la chance! Sarah, maintenant, c'est à mon tour de rigoler! Bon, d'accord, tu peux commencer. Oh, avec un peu de chance, je vais trouver cet héros dans mon lait. Non, oh, je n'aurais pas dû faire ça. Il faut que j'en prenne ça. Oh oui. Il va falloir que je le boive pour trouver le biscuit. Quoi? Non, mais en fait, j'en ai fait trop. T'es tellement drôle. Oh, regarde, voilà ton biscuit. Et oui. J'étais tellement impatiente de le manger. C'est cool. Brittany, maintenant, toi. Oh, j'adore l'odeur. Et maintenant, je vais tremper tout cela dans du lait. Mais je vais le mélanger avec une paille pour que ça soit un cocktail. C'est génial et c'est bon. C'est tellement bon. Alors, j'en voudrais d'autres. Vas-y, Emma, commence. Alléluia! Je suis encore ressaisie! Oh, quel biscuit lourd! Il ne tiendra pas dans le verre! Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que je sais!
Je dois rendre les biscuits petits pour pouvoir les tremper dans le lait. Et je peux le faire en rien de temps. J'adore! Alors, c'est fait. Maintenant, le Rio est de taille parfaite. Voilà, j'ai hâte de goûter tout cela. J'adore! C'était super! Un moment. Maintenant, il faut que je finisse le lait avec le biscuit. Maintenant, je suis pleine! Oh, t'es enfin pleine! Oh, seulement 4 cm de nouilles! Je m'attendais aussi à plus. Et moi, je suis absolument ravie! Waouh! Quelle portion! Ouais, Sarah, regarde! Non, mais arrêtez! Je vais commencer. Et pour éviter de me salir les mains, je vais utiliser des baguettes. C'est bon. Maintenant, moi, oui. Des baguettes, c'est pas très pratique. Je vais manger des nouilles, un morceau à la fois. Regardez comme c'est cool. Réveille-nous quand tu auras fini. Oh, les filles, en fait, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Tadam! Enfin! J'ai attendu mon heure. Oh, c'est bizarre, en fait. Ah, vous comprenez rien. Et maintenant, vous allez tout comprendre. Et voilà. Waouh! Regarde! Brittany a tricoté une écharpe avec des nouilles. Alors, vous avez bien ma tenue. Génial! Stylé, n'est-ce pas? Et bon! Les céréales au lait sont mes préférées. Elles sont si mignons quand elles sont petites. J'ai un paquet moyen, c'est super. Bingo! C'est de la chance. J'ai un repas géant. Wow, j'ai une si petite portion. D'accord, on y va. C'est sucré. Oh, juste un seul. Bon, maintenant, je vais boire du lait. Juste une goutte. Oh non. Sarah, maintenant toi. Oh, avec plaisir. Oh, j'adore les céréales. Oh, wow, t'as de la chance. Et maintenant, je peux boire du lait. Et oui, je vais mélanger les deux. Et on... Ouais, maintenant, c'est plus bon. Emma, tu peux commencer. Oui, attendez. Il faut prendre le bol. Oh, tu peux faire comme ça? Oui, tout est pour les règles. Oh, c'est tellement lourd. Je vais verser les céréales dans un bol et verser du lait dessus. Oh, ça, c'est la portion. Oh, le lait est si lourd. Il faut pas que je tombe. Voilà, j'ai réussi. Et maintenant, le truc le plus agréable. J'adore. Oui, c'était tellement bon. Oh, t'as réussi. Génial. Regardez, c'est tellement petit pour Emma. Alex a une pizza moyenne. Emma a une pizza géante. Elle est tellement contente. Mais commençons par Emma. Oh, et ça sent vraiment bon. Je me demande quel est le goût. La pizza est bien que petite et très savoureuse. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Oh, Alex, c'était facile pour toi de jubiler devant moi car c'est deux parts plus grand que toute la pizza. Alors, est-ce que c'est bon? Oh, oui, quel appétit! Vraiment? Oh, regardez, on dirait qu'Emma a décidé d'opter pour la pizza d'Olex. Mais n'est pas si facile à tromper. Alors, qu'est-ce qu'il prépare, lui? Regardez, elle a décidé de manger la pizza une seule fois comme une tarte. Emma n'aime visiblement pas cette façon de manger. Alors maintenant, c'est au tour de Mia. Regardez cette part. Comme c'est juteux. Oh, le fromage qui tire. Mia décide de manger tout le morceau d'un coup. Enfin, on la comprend. C'est difficile de résister à un plat aussi savoureux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un autre morceau et encore un autre? Oui, c'est ce qui arrive quand tu décides de manger une pizza géante. Oh, quel ventre! Quel bide! Et voilà, Emma, c'est ce qu'il faut faire. Alors, vas-y. Mia ne peut pas s'empêcher de t'entraîner. Non, mais t'en peux plus?
D'accord. Emma a le parfait motivateur avec elle, qui l'aidera à courir, à faire des abdos. Encore une fois, bâton! Vas-y, vas-y. Et même à faire des squats. Voilà. Ça, c'est tout autre chose. Grâce à l'entraînement, mon Mia a pu retrouver une grande forme. Cette fois-ci, Mia a reçu un tout petit marshmallow et Emma et une moyenne. Ne me regardez le géant qui a reçu Alex. Oh, waouh! Alex est tellement content, mais Mia va commencer. Alors, je pense qu'il a trouvé quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais arrête! Regardez, c'est une petite cuisine. Apparemment, Mia va faire sa petite game of dans une petite cuisine. Je me demande ce qui va se passer. Emma et Alex ne savent pas ce qu'elles préparent. Eh bien, nous devrons attendre et voir. Apparemment, l'attente sera longue. Ah, c'était une manœuvre sournoise. Alors, maintenant, je vais frire mon marshmallow. Ouais, ça va être encore plus bon comme ça. Bon, on s'est endormi. Alors, qu'est-ce que t'as? Waouh! Oh, c'est vraiment très bon! C'est mon meilleur marshmallow de toute ma vie! Alors, c'est maintenant tour d'Emma. Qu'est-ce qu'elle va inventer? On dirait qu'elle a décidé de mettre la marmelade ou plutôt le marshmallow sur une brochette. Et maintenant, ça va être chaud! Je suis complètement d'accord avec les filles. Qu'est-ce qui peut être au mieux qu'une marshmallow? Bien sûr, une marshmallow! Avec le feu! Hé, les gars, n'ayez pas peur! Emma a déjà terminé! Il est temps pour la dégustation. Oh, comment ça s'étire! C'est vraiment incroyablement bon! Alors, maintenant, c'est le tour d'Alex. Je me demande ce qu'il va faire. Oh, je crois pas mes yeux. C'est quoi ça? C'est un lance-flamme! Les filles, mettez-vous à l'abri! Waouh! Alors, Alex? Il est temps pour toi de goûter. Les filles, regardez ce que j'ai! Ça, c'est cool! Les filles, c'est pour vous! Non, merci! Waouh, des sushis! Oups, ils sont super petits! Et pour moi, j'ai une bonne taille! Waouh! Oh, elle est tellement géant! Alex rigole sur Emma. Mais il sait quoi faire. Alors Emma commence. D'accord. Même si la taille est très petite, je pense que ces sushis sont super bonnes. J'adore, c'est super bon. Oh, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, oui, elle fait une petite brochette. On dirait que c'est plus pratique comme ça. C'était incroyable! Maintenant, c'est mon tour! Évidemment que Mia adore les sushis! Regardez comment elle les prend! Oh oui! J'adore ça! Je pense qu'Emma veut aussi! Non mais regardez ses yeux! Ok! Oh non! Est-ce que Mia va vraiment... Oh! Bien sûr que non, elle va jamais lui donner ses sushis. Mia va tout finir elle-même et elle ne va jamais partager. C'est les meilleurs sushis de toute ma vie. Viens ici. C'était vraiment incroyablement bon. Alors Alex, c'est ton tour. Non, mais fais attention la prochaine fois. Et que les filles sont très mécontentes de lui. Il va falloir de se débarrasser des baguettes. Mais Alex est visiblement en plan de secours. C'est quoi ça, une araignée? C'est affreux! Non mais c'est où ça? Un aimant? Pourquoi traîne-t-il tous ces trucs? Oh, c'est un blaster! Non mais est-ce qu'il va se lever le sushi avec? Oh oui! On dirait que quelqu'un a oublié de le charger.
Oh, pauvre mien. Désolée pour toi. J'ai pas fait exprès. Oh, wow, des burgers. Emma a finalement eu le plus gros. Et Alex a pris le plus petit. Emma, t'as deviné, t'as pris le moyen. Commençons donc par le plus petit. Je dirais qu'Alex prépare quelque chose. Quoi? Un lance-pierre? Ouais. C'est quoi ça? Ah, voilà! C'est vraiment intéressant. Alors, maintenant c'est le tour de Mia. Je dirais qu'elle a sa façon spéciale de manger le burger. Alors, voyons voir. Oui! Il va manger comme ça? Il va étirer le plaisir? Oups, je me suis un peu emportée. Vas-y! Enfin! Oui, quel burger géant! Alex et Mia rigolent que Mia ne peut pas le soulever. Mais il a une idée. C'est un talon? Oui! Je pense que c'est un peu trop, mais bon. Ça a l'air vraiment impressionnant. Un roulement de tambour! Et il l'a fait! Oups! Je pense que les gars veulent faire quelque chose. Oh non! Emma a fait tomber tout! Tout sur elle! Alex tape mon 5, c'était cool! Oh non! Vous m'avez tout gâché! Waouh! Wow. Je peux aller en première? Qu'est-ce que nous avons là? Oh. Oui, c'est un poupite! Si petit! Et si mignon! Maintenant, toi! J'ai un poupite plus grand! Tellement cool! Je ne peux pas m'empêcher de jouer avec lui! Awesome. À ton tour! Bien sûr! Waouh! C'est énorme! Waouh! C'est à moi! Joue avec le tien! Oui! Il est si petit! Comment jouer avec lui? Je suis pas bonne du tout! Ouais! Mes mains sont trop grandes! Exactement! Nous avons besoin de mains plus petites! J'ai juste ce qu'il faut! Ça sera plus facile de jouer de cette façon! Oh! Quelque chose s'est mal passé! Attention! Je suis désolée, je ne le referai plus. Mais j'ai une autre idée. Je cherchais de la colle et une épingle à cheveux. Je vais mettre de la colle. Voilà. Ouais. C'est un bon travail. Et maintenant, le plus important. Je pense que j'aurai le design le plus cool de la barrette. Oui, j'adore. Maintenant, je suis la plus cool. Oui, génial. Oh, thank you. Merci beaucoup. Mike, t'es le prochain. Mon poupite. Qu'est-ce que je pourrais faire d'intéressant avec lui? Ouais, j'ai des ciseaux, moi. Ouais, je coupe. Wow! Non. On voulait pas trop, hein. Mais ça nous intéresse quand même. Ouais, j'ai réussi. Je suis un génie. Regardez ça. Ouais, c'est pas mal, ça. Ah oui. J'adore le poupite. Je pourrais jouer pour toute ma vie. Mais je peux penser à quelque chose d'autre. J'ai une idée géniale. J'adore coudre et inventer des choses intéressantes. Je vais créer quelque chose de génial tout de suite. Vous allez tous l'adorer. Wow. J'adore. Je dois prendre une photo. Alors, je n'ai plus besoin de cela. Tout est fait. Wow. Un licorne. Et un autre moment. Cool. Maintenant, c'est un sac que tu peux garder n'importe quoi. Wow. C'est cool. J'en veux aussi. C'est à moi. Je l'ai fait pour moi. Soyez jaloux. Bon, allez, continuons à jouer. Je peux aussi commencer. Come on. Non. C'est ce dont j'avais peur. C'est dégoûtant, ça. Mike, vas-y, ouvre. Ok. Je n'en veux pas. Oh non, j'ai aussi du brocoli. Moi, moi, elle est plus petite que le tien. Et toi, Suzy? Oh, oui. Oui, j'ai plus de chance que vous. Oui, je vais manger ce petit brocoli. Bon. Mike, pourquoi tu m'as fait peur? Ne refais pas ça. Bon, il faut le manger. Regarde comment elle la mange, elle est toute sale. Pourquoi vous rigolez, vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y, Mike, t'es le prochain. Je ne vais pas manger ça. Le brocoli a l'air terrible. Oh, horrible. Je pourrais pas le manger. Bon appétit. Mange bien. Mais pourquoi?
Oh, je ne peux même pas l'avaler. Vas-y, mâche et apprécie le goût. Voilà. Tu vas frapper avec le brocoli? Tu le sauras. Eh bien, brocoli, je vais devoir faire avec toi. Et voilà. C'est tout. Maintenant, toi. Non. Ouais. Oh, le plus tôt sera le mieux. Je vais l'avaler sans le goûter. Comme c'est dégoûtant. Oh, je dois tout manger. J'ai tout mangé. Ouais. Bon, c'est tout, c'est la dernière bouchée. Bibi, waouh. C'est ça, j'ai tout avalé. C'est si bon. Oh non, quelque chose ne va pas. T'es toute verte. Bibi, qu'est-ce que t'as fait? Horrible. Une telle puanteur que Suzy ne pourrait pas le supporter. Oups. Mais couvre. Non, Bibi, vas-y toi. C'est bon. J'ai un œil ici. Bon, c'est minuscule. Et toi, Mike? Oh oui, j'ai de plus grands yeux. Tellement cool. Suzy, à ton tour. Ok. Oh oui, c'est tellement énorme. Juste gigantesque. Wow. C'est mon œil. Regarde le tien. Okay. Très bien, alors. J'ai mangé le mien pour l'instant. Je me demande si je le plante. Je pourrais l'attraper avec ma bouche ou pas? Ça a marché. Le troisième œil est dans ma bouche. C'est délicieux. Un œil de marmelade est très moelleux, juteux. J'en mangerai bien un autre. C'est mon tour. Oui, tellement grand ces deux. Je peux avoir? Non. Awesome. Alors, à quel point tu veux le mordre? Ça fait très mal. C'est mon œil. Tu ne comprends pas, c'est à moi. Non, mais... Non, mais c'est cassé. Mon œil de marmelade s'est séparé en deux. Désolé. Tiens, reprends-le. C'est à toi. Je sais comment me racheter. Tiens, prends une cuillère. C'est vrai. C'est aussi beaucoup plus pratique de manger de cette façon. C'est délicieux, ça. Je ne peux pas m'arrêter. C'est tellement délicieux et sucré. Maintenant, je peux simplement mordre dedans. Cette marmelade est incroyable. J'en veux toujours plus. Oh, c'est une autre moitié. La meilleure marmelade que j'ai jamais mangée. Suzy, vas-y, c'est à toi. Oui, pourquoi j'ai besoin de cuillère quand je peux mordre dedans? Mordre et mâcher. Wow, Suzy, t'es si fin que ça. Oh les gars, je n'arrive pas à l'enlever. C'est ce que tu dois faire. Apprends à manger avec soin, ce n'est pas drôle. Vas-y, on va te prendre cet œil horrible. Vas-y. Oh non. Non mais, il a volé. Wow, vraiment? Donne-moi s'il te plaît. Non, c'est mon œil, vous pouvez pas l'avoir. Allez, pierre, papier, ciseaux, qui va gagner? J'ai gagné. Alors, ouvre. C'est un burger. C'est si grand et si délicieux. J'ai envie de l'essayer tout de suite. C'est une chance pour toi. Je suis sûre que j'aurai aussi de la chance. Oh non, c'est minuscule. Ouais, t'as de la chance. Alors, c'est moi. J'ai pris un burger normal. Mais c'est le plus bon. Vas-y, mange-toi d'abord, Suzy. Moi? D'accord. J'ai une idée. Je vais prendre une serviette pour ne pas me salir. Je vais la mettre ici. Super. Alors, ça va t'aider? J'ai aussi un couteau et une fourchette. Je vais découper notre burger. C'est si délicieux. Il y a envie dans ma bouche. Oula. Quelle nuit! C'est l'étiquette. Qu'est-ce qui pourrait être plus ennuyeux? J'ai envie de dormir. C'est si bon après tout. Bon, c'est vrai, l'étiquette. Il faut se débarrasser des miettes de la serviette. Réveillez-vous, puisque vous ne pouvez pas vous lever. Non, mais pourquoi t'as fait comme ça? C'est bizarre. Manger. Ah oui, c'est vrai, j'ai un burger. Tout le monde regarde par ici, je vais vous montrer comment manger un burger correctement. Voilà, et j'ai plus de burger. Wow, génial. Non, je peux pas me tenir. Oh, c'est vraiment horrible. Bon, maintenant toi. Oui, mon burger vient ici. J'y arrive pas. Elle est tellement grand. Je vais devoir manger de la salade. Et la fourchette, le couteau? Oui, c'est une excellente idée. Essayons tout de suite. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout. C'est très petit. J'ai quelque chose, moi. Wow, c'est un grand couteau. Elle ne coupe pas non plus. Qu'est-ce que je suis censée faire? Réfléchis, Phoebe, réfléchis. C'est vrai, tronçonneuse. Quel cauchemar. Ça va fonctionner maintenant. Eh bien, oui. Je vais te manger. Super, j'ai réussi. Qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as lancé des ingrédients. Désolée.
Bon, je n'ai plus besoin de scie. Mais je peux manger mon burger. Donne-moi une bouchée, s'il te plaît. Bien sûr. Vas-y, serre-toi. Quelle peste tu es. Mais je veux plus délicieux des burgers. C'est tellement juteux. Cette sauce est délicieuse. Une seule bouchée ne suffit pas, je veux plus. Je vais prendre une bouchée d'ici. C'est incroyable. Waouh. Je ne laisserai pas une seule bouchée derrière moi. J'ai mangé jusqu'à la dernière miette. C'est le burger le plus savoureux que j'ai jamais mangé. Je l'adore. C'est dégoûtant, pas d'étiquette. C'est ce que j'ai mangé. Je ne veux pas en supporter davantage. Tu ne te ressembles pas. Oh non, comment est-ce possible? Oh non. Regarde comment t'es gonflé. Quel jour. Je suis offensée. Ça m'a... Juste un Twix. C'est si peu. C'est toujours mieux que rien. Je vais le manger au moins. On dirait que quelqu'un a vraiment faim. Oh, attention! Tu m'as frappé en plein dans le front. Et je le referai si tu continues à m'embêter. J'ai pensé à quelque chose. Regardez ça. J'ai peur. Range la scie tout de suite. Détendez-vous, j'en ai besoin pour couper le Twix. Attention, les miettes volent dans toutes les directions. C'est ça, j'ai presque fini. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une dernière coupe. Cela rendra le fait de manger une barre de chocolat tellement plus confortable. Tu nous as salis, regarde. Oh, je suis désolée, c'est sorti par accident. J'ai pas fait exprès. Regardez comme j'ai bien tourné. Je pense qu'il y a encore du chocolat. Il y avait 2 pièces et maintenant il y en a 10. C'est génial. Je ne veux pas être à court de Twix. C'est inévitable. Mais le côté positif, c'est que maintenant je peux prendre un goûter. Les emballages sont inutiles, nous devons les ranger tout de suite. Tu t'es bien débrouillé, toi. Merci. Maintenant, je peux te manger d'un coup et rien ne m'arrêtera. C'est tellement bon. Heureusement que j'ai encore tant de barres. Je sais. Mais pourquoi t'as besoin d'une bouteille pour bébé? Ah, et ma tête! Pourquoi tu continues à me jeter des choses dessus? Désolée, je devais juste faire du lait au chocolat. Je pense que ça a marché. Je suis sûre que le Twix sera encore meilleur avec ça. Oh ouais! C'est une super combinaison. J'aimerais beaucoup l'essayer. Une autre fois. C'est mon tour maintenant. Je sais déjà quoi faire avec autant de chocolat. Je vais commencer par souffler tous les emballages. Waouh! On t'a fait tout ça? Génial! Maintenant, commençons à construire la forteresse! Pour cela, j'aurai besoin d'une spatule et d'un ciment sucré. C'est-à-dire d'une Nutella. Mon dieu, ça sent tellement bon! Je suis sûre que la pâte serait un excellent complément au Twix. Regardez comme on tient solidement des 12 briques ensemble. Il ne reste plus grand-chose. À la touche finale se trouve en haut. Génial. Quel grand tour cela s'avère être. Il faut l'essayer. Oh non, qu'est-ce qui se passe avec ma tour? Qu'est-ce que vous faites? Ça a tombé. Arrêtez-vous là, je vous ai dit. Oh non. Oups, on dirait que nous aurions dû l'écouter. Oh, vous allez avoir. Désolée, nous n'avons pas pu nous empêcher. Heureusement que je portais mon casque et je n'ai pas été blessée. Waouh, des yeux de marmelade. Je ne parlerai pas de ma part au pluriel. Il n'y a qu'un seul œil. Quelqu'un a encore la plus petite portion. Arrête de te moquer de moi. Oh, quel problème, c'était juste une blague. Tu n'aurais pas dû me le mettre sous le nez. Eh bien, je te revaudrai ça. Voyons si t'aimes cette farce. Je trouve que ça donne un peu la chair de poule. Aide-moi! Ah! Que s'est-il passé? C'est ton œil? Quel cauchemar, je ne peux pas le regarder. C'est effrayant, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez jeté cet œil? Oups! Je crois que la farce était un peu trop. Aidez-moi, je m'étouffe. C'est l'heure du petit-déj. Ces boules de chocolat sont si bonnes. Mon dieu! C'est l'œil! Heureusement que c'était une blague. J'ai déjà eu le temps de paniquer. En fait, les yeux sont délicieux. Vous allez les adorer. Dommage que je n'ai plus rien d'autre. Alors, c'est mon tour. J'espère que je l'aimerai aussi.
Ah oui, c'est délicieux, j'adore la marmelade. Et où vont tes mains? C'est ma portion. Tous ses yeux sont à moi. Comme ils sont doux et sucrés, super. Juste comme j'aime. Tu veux pas partager après tout puisque t'en as tant? Non. Oui, donne-nous juste un œil chacune, s'il te plaît. Je suis désolée, mais les mains restent plus. C'est trop tard. Je me sens un peu bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe avec mon visage? On dirait que quelqu'un a mangé. Une seule chips? Regardez par ici. Vous avez déjà vu une centaine de paquets de chips? Je vois que quelqu'un n'a pas de chance. C'est sûr. Je ne peux même pas ramasser cette chips. Qu'est-ce qu'elle prépare? J'ai besoin d'une loupe. Avec cela, je peux enfin manger. Oui, j'ai réussi à obtenir une chips. Je vais essayer d'étirer le plaisir aussi loin que possible. Oui, je pense que c'est ça. C'est tellement rapide! C'est même dans le mieux. Maintenant, moi. Quel couvercle étrange! Je n'arrive pas à l'enlever. Allez, ouvre-toi! On dirait que quelqu'un m'a resté affamé. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je vais ouvrir le poids de toute façon. Regardez, je l'ai fait. Pourquoi tu l'as planté? Pour te montrer ce dont je suis capable. Wow, cool! Cela mérite un certain respect. Bien sûr que oui. Je suis juste un maître pour manger des chips. Oh, ma tête! Tout est en train de flotter devant mes yeux. Oui, je suppose qu'elle a besoin d'un peu plus d'entraînement. Oui. Je vais la laisser dans ses esprits un peu pendant que je mange mes chips. Toi et moi sommes les meilleurs amis. Tu te souviens? Partage avec moi. Désolée. J'entends pas. Oh, je pense que c'est pas le bon moment. C'est tellement bon, je ne peux pas m'arrêter. Attention, t'as failli me frapper à nouveau. C'est ça. On peut pas continuer comme ça. Aïe, ça fait mal. J'ai une chance inouïe. Ne saute pas aux conclusions. C'est bien fait pour elle. Elle a eu ce qu'elle m'a aidé. Brocoli? Vous êtes sérieuse? J'ai une sorte de graine à la place du chou frisé. Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Bon, je vais juste manger ça et finir avec ça. Oh, j'arrive pas à manger. Qu'est-ce que tu prépares? Je pense que nous devrions la mettre en terre. Arrête de nous jeter ça à la figure, arrête! J'ai besoin de creuser un trou plus profond, sinon la plante ne germera pas. Nous sommes tous dans le sol à cause de toi. Et mon grand, elle l'est aussi maintenant. Tu penses vraiment que quelque chose va sortir de tout ça? Nous le serons bien assez, Thomas. Attends, mange ton chou. Oh, ça sent juste dégoûtant. Je déteste les légumes. Ils sont si peu appétissants. C'est une bonne chose que j'ai pris la plus petite portion. Bon, j'ai besoin du coca tout de suite. Cela me ferait du bien. Oh, donne-moi cette canette. Je dois arroser ma plante. Ça a besoin de l'humidité. Ça t'a aidé? Oui, ça a commencé à germer. Oh non! Cool! Goûte alors! Bon appétit! Voilà, je savais que ça finirait comme ça. Je regrette de n'avoir rien fait pousser. Je n'aime pas le brocoli. Oh, c'est même de goûter, hein, regardez! Et t'es couverte de terre! Mais j'ai réussi, maintenant toi! Je pense que... je sais comment manger tout ça. Regardez, il y a un oiseau! J'ai réussi à le faire croire. Elles sont facilement trompées. Je ferai semblant de l'avoir mangé, mais je le jetterai tout simplement. Tu crois que tu peux me tromper? Pas du tout. Je vais tout attraper et le rapporter. C'est ça, j'ai presque fini. Il ne reste qu'une seule bouchée à manger. Et le reste? Je l'ai gardé spécialement pour toi. Ne me remercie pas. Eh bien, on dirait que mon plan a échoué. Oh non! Vas-y, mange, mange! Ne te laisse pas distraire.